de patates. Du boisson petit aussi. Oh lui. Non, 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 oui. Mais des pâtes de quoi, des pour les garçons. Il y a trop de mal de maison qui sont volés grâce à ces ballons. Mais des ballons. Du coup, les grands, vu le temps d'aujourd'hui, on va faire compte dans la salle des tapis. Ouais. Ouais. Pas, c'est sûr. C'est une histoire qu'un vieillard m'a racontée. Un vieillard. Un vieux. Un monsieur que je connais. Un vieux. Comment ça? Ben, c'est un vieil homme qui me l'a racontée. C'est pas juste. C'est une histoire imaginaire. Pourquoi il nous l'a pas racontée? Parce que vous étiez pas là. Mais moi, je vais vous la raconter, du coup. D'accord. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un vieil homme qui vit dans un village à la campagne. Et il vit tout seul dans sa maison. Il vit dans une ferme. Et c'est un homme très solitaire. Et du coup, il voit pas beaucoup les gens du village. C'est pour ça que les gens du village le trouvent un petit peu bizarre. Il est un petit peu rustre. Vous savez ce que c'est, rustre? Ça veut dire bizarre. Il est un peu louche. Non, il est pas louche. Il est très renfermé. Il ne voit pas trop les gens. C'est dommage. Il aime la solitude. Alors, du coup, cet homme-là, il n'a ni femme ni enfant, il n'a jamais été marié et il vit tout seul dans sa ferme. Et un jour, comment ? Et oui, un jour, il a eu des parents. Et donc, comme il vit dans une ferme, il a des vaches. Et donc, un matin, il va au champ. Et puis, il aime bien s'occuper, en surveillant ses vaches, il aime bien s'occuper en faisant des sculptures. Au loin, il aperçut quelque chose d'étrange et de très inhabituel. Il vit sortir de la forêt une femme qu'il n'avait jamais vue. Et ce n'était pas une femme du village, c'est sûr. Ils se regardèrent longuement. Ils n'avaient pas peur.
Elle ne parlait pas, mais très vite, elle se mit à dessiner, très étrangement. Ils passèrent ainsi plusieurs heures agréables. Le soir venu, il lui offrit le logis. Ils rentrèrent discrètement afin de ne pas se faire remarquer par les villageois qui auraient mal vu cette rencontre. Ils passèrent ainsi plusieurs jours à l'abri des regards. Et petit à petit, leur amour naquit. Et elle lui offrit un anneau d'or. Mais un jour, l'inévitable arriva. Un villageois les aperçut. Très vite, le village entier se mit à vibrer de questions. On ne les lâchait plus des yeux. Je crois pas, j'ai jamais vu. Ils viennent d'où ? Je sais pas. Elle n'est pas comme nous. Il se produisit alors un phénomène étrange. Dès que les villageois regardaient la femme, elle reculait bizarrement. Bizarre. Mais si, elle est bizarre. Et ils furent tellement insistants et malveillants qu'elle finit par disparaître dans la forêt. Le vieil homme s'empressa de la rejoindre. Mais il s'aperçut très vite que cela lui était impossible. Une barrière invisible l'empêchait d'entrer dans cette forêt. Il essaya à de nombreuses reprises de forcer cette frontière invisible. Mais il était chaque fois repoussé plus loin. Il tenta alors de longer la ligne pour trouver une entrée. Mais ce fut à nouveau un échec. Il continua des jours et des jours durant. Mais jamais il ne réussit. Peu à peu, la folie s'empara de lui. Et sans jamais s'arrêter, il passait et repassait le long de cette frontière. Puis un jour, sans que personne ne puisse l'expliquer, il disparut. Et là, à cet instant précis, l'anneau d'or tomba de son doigt. Et malgré son absence, le chemin de ses pas continuait à se creuser. Tant et si bien que l'eau finit par s'y engouffrer. Et là où était tombé l'anneau, de l'or apparut. L'or et l'eau de la rivière sont restés là. Mais la frontière aussi est restée là. Et du coup, la rivière,
Est-ce que vous savez comment elle s'appelle? Lille. Lille. De l'or. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Oui, parce Lille. Que... Parce que c'est pas riche à la fois. Elle est de la bague. L'eau, elle est autour du village, là, le village, et là, à l'eau. Mais surtout à cause de la frontière. Oui. Qui est en fait la frontière encercle le village et a fait du village une île. Voilà. Est-ce que vous voulez connaître la suite? Oui. Eh bien, je vous la raconterai la prochaine fois. Oh, oh. Mais pourquoi tu nous demandes? Allez, on va aller prendre l'air. Moi, je suis en plus. Bonjour. Et bien. Il essayait de passer cette barrière, mais il n'y arrivait pas. Il faisait deux pas le long de la barrière, en long, en large. Et puis, il n'arrivait pas à passer. Et puis, au bout d'un moment, il a disparu. Et quand il a disparu, sa bague est tombée. Et là, l'eau est arrivée. Et l'eau, en arrivant, ben, ça a emporté la bague. Et l'or enfin, est arrivé dans cette eau qui est formée par ce passage qu'il a fait, lui. Mais c'est triste, mamie. Oui, je sais. Mais il y a une suite à cette histoire. Veux-tu que je te la raconte? Ah oui, bien sûr. Alors, écoute, et marchons un peu. Bien plus tard, les villageois se sont installés au bord de la rivière. Et ils avaient complètement oublié cette histoire. Par contre, ils avaient trouvé l'or. La frontière invisible existait toujours, mais plus personne ne cherchait à partir. L'or leur suffisait pour vivre. Mais cette richesse créait régulièrement des problèmes et des disputes au sein du village. J'en ai une! Elle est vraiment grosse. Tu vois? Ah, elle est super jolie. Grosse. Allez, viens. Je te paye un verre. Ah, et l'or, ça fait souvent des envieux. Hein. Mais la vie continuait. Mais un été... Sans qu'on puisse l'expliquer, l'île s'assécha complètement. Plus une goutte d'eau, et surtout, plus d'or. Certains décidèrent de sortir du village. Mais, tout comme le vieil homme autrefois, ils ne purent passer. Je crois que c'est vers là. C'est sûr. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. Bah ben oui, regarde. Tu fais pareil? On ne parlait plus que de ça au village. Tout le monde y allait de son interprétation. Même si tu veux te déplacer, tu te déplaces, et tu as cette force qui te retient, qui t'empêche, un espèce de un barrage mou, mais qui t'empêche de... Au milieu de ces discussions, une grand-mère se rappela d'une vieille histoire que sa grand-mère, à elle, lui racontait quand elle était petite. C'était bien sûr une dame
l'histoire de cette étrange femme venue de la forêt. Elle la raconta à sa petite fille, qui, elle, ne retint qu'une seule chose, les dessins magiques de cette femme. Elle ne pensait plus qu'à ça et dessinait un peu partout. Un jour, au bord de la rivière desséchée, elle se mit à dessiner sur le sol. À peine sa première branche dessinée, apparut alors quelques gouttes d'eau. Oh, la petite fille fut intriguée et continua. Et plus elle dessinait, plus l'eau apparaissait. Elle s'empressa d'aller le dire aux autres enfants qui accoururent pour tester eux aussi ces dessins magiques. Et au fur et à mesure que les enfants dessinaient, l'eau réapparaissait. Oh, très vite, tous furent au courant. Et l'eau revint en abondance. Pour fêter ça, tous les villageois décidèrent de faire une grande fête. Et entraînés par la danse, ils arrivèrent à passer la frontière. Depuis ce jour-là, on les a plus jamais revus au village. On dit par ici qu'ils sont partis découvrir de nouvelles contrées. Et depuis ce jour, plus personne n'a cherché d'or dans cette rivière non plus. Attends, mamie. Et où vas-tu? Pourquoi l'or est jaune? Ah non, pourquoi? Parce que il y a très longtemps, il y a une fois, une fille très bizarre. Elle n'aimait déjà vraiment pas l'air. L'herbe, puis la mousse, tout ce qui est vert. Elle n'aimait même pas sa chaussette préférée. Elle était une sérieusement partie qui adorait la chaussette. Elle avait une copine et on portait tout le temps un manteau vert. Et elle s'appelait Raxa. Et un jour, ils ont mangé.
comme famille la tomate, le radichon, mais quand on l'a pris, là, le plat. Et une fois, une fois, il y avait un grizzly qui était venu dans l'école. Tout le monde avait peur, sauf elle. Et c'est dit, il est pas vert. Et voilà. Et à la fin, elle rentrait dans l'hôpital. Elle n'avait plus un cheveu sur le cahier. Et plus un poil à cacher. C'est pour dire que tout le monde est dans. Et si tu veux. Complète le Pokédex et ramène-moi tous tes Pokémon. Un ogre. Un ogre arriva dans la salle de classe. Et elle a tiré dans une gorge. Dans le. La moitié. Dans le réservoir. Et Pikachu à toi. Et fin.